Et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur TPF2, nouvel épisode, et j'ai enfin réussi à faire la ligne de bateau. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est relié. J'ai dû élargir un petit peu ici. Alors après, je sais pas si ça a vraiment joué parce que j'ai élargi ici. J'ai refait la ligne, ça a frisé le jeu pendant 2 bonnes minutes. Et cette fois-ci, j'ai laissé faire et ça m'a sorti la ligne au bout de 2 minutes. Donc on va éviter de trop la toucher celle-là, on va la laisser comme elle est. Et donc on va pouvoir mettre les bateaux et les camions en place. Donc on va déjà acheter... Alors je sais pas si je prends un ou deux bateaux. Alors j'ai essayé de tourner le jeu aussi, je vais mettre play. Et je vais réactiver le temps, voilà. J'ai essayé de tourner le jeu pour avoir un peu d'argent en stock pour pouvoir tout acheter. Donc, achetons des véhicules. Quoi qu'on est en décembre, je vais attendre. Je vais attendre de voir s'il n'y a pas des bateaux qui vont sortir avec cette nouvelle année. Je passe en x3, comme ça, ça ira plus vite. Est-ce qu'on va voir du bateau? Ça, c'est la question. Verdict. 24 véhicules disponibles. Alors, des avions, c'est pas mal. Les avions, des trains, ouais. Qu'est-ce qu'on débloque d'autre? Des Rio. Ah, les 40-20. Des wagons par conteneur, c'est pas mal, ça. Ok, bon, on a débloqué quelques trucs, mais pas de bateau, j'ai l'impression. Donc, on va s'acheter, les bateaux. Donc, j'ai besoin de bateaux qui peuvent transporter un peu de tout et qui soient rapides. Je peux en prendre des grands. La vitesse serait importante. 30 km/h, je pense que c'est pas mal. Ça prend pas tout par contre. On peut pas prendre de liquide. Ah et nous on veut des liquides en plus là. Ah c'est chiant ça. C'est chiant parce que moi j'ai besoin d'un bateau qui peut transporter de tout. Parce que là nous ce qu'on veut faire c'est... C'est quoi? Oui voilà c'est le pétrole. Et est-ce que j'ai pas... Alors c'est des petits bateaux. Ah mais j'ai que ceux-là. J'ai que des simples. J'ai pas encore les doubles. Bon bah écoutez, on va devoir mettre des bateaux différents. Mais du coup, il faut un voyage à vide. C'est chiant ça. 2 compartiments, 4 compartiments. Mais ouais, mais ça change rien. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre celui-là. Et tu pars sur la M03. Voilà, hop. Donc là, c'est parti. Oula. Le truc qui se referme sur le bateau, c'est pas cool par contre. Ok, donc ça se lance. Et donc là, on va avoir besoin de camions. Hop. Acheter des véhicules, de marchandises. On va pas prendre ces camions là. On va prendre des camions qui peuvent transporter de tout ça par contre. On va prendre ceux-là. On va en prendre 10. Ça peut paraître énorme mais j'ai besoin de tout ça hein, parce qu'on a une chaîne complète à faire avec ça. Voilà. Hop, ça part là-dessus. Parce que là, vous vous souvenez, on avait fait donc le puits de pétrole. Et ensuite, ces mêmes camions sont utilisés pour aller jusqu'à la raffinerie de Commercy. Et là, c'est du 2 pour 1. Donc, il faut livrer 2 pour en récupérer 1. Donc, on a vraiment besoin de 10 camions. En gros, on livre 10 camions, on en ressort 5. Donc, il faut vraiment un nombre de camions assez important. Là, ce qui me gêne, c'est que ça passe par la ville. Alors, j'avais dit que c'est pas grave, mais c'est un peu grave quand même. Là, après, ces zones industrielles, là. Oh, ok, on peut relier comme ça, sinon. Vous allez voir. Hop, rue. Qu'est-ce que je cherche? Je vais en prendre celle-là, je pense. Là, il y a un bâtiment là-dessus. Je supprimerai bien ça pour essayer un truc. Est-ce que c'est beau comme ça? C'est particulier quand même. Ouais, ça ira bien. Ça ira bien. Et là, hop, on va essayer de faire un truc qui tourne. Hop. Voilà, un truc comme ça. Ah non, le jeu. Voilà. Hop. Bon là du coup il va mettre des routes de ville. C'est pas grave. On va mettre des routes de ville. Voilà. Ok, quelque chose comme ça. Et là, un petit comme ça. Ok, et là, voilà, là mes camions passent plus en extérieur de ville. Plus ou moins dans la zone industrielle, donc c'est moins gênant. Ok, donc là on est bien. Les camions, bah voilà, ça fait le taf hein, déjà. Ça charge tout doucement, ça se remplit. On verra peut-être qu'il y aura même plus de camions. En tout cas, ça se remplit, c'est bien, mais il faut vite qu'on fasse le camion ici aussi. Et là, la liaison est assez courte, on peut mettre 3-4 camions maximum. Dépôt de tram, c'est pas ça que je voulais, dépôt routier, j'en ai un là. Donc pareil, là, on va mettre des camions qui prennent de tout. 4 camions, et ça part sur cette ligne qui est là. La K9. Ok. Donc là, comme ça, on aura tout ça qui est relié. Ensuite, autre chose que je voulais faire dans l'épisode,
c'est que vous voyez que Commercy et Rumilly, ils ont une demande en, en briques, en matière de construction. Et on a une usine de matière de construction, mais on n'a pas de carrière de pierre. Il nous faut de la pierre. Et cette pierre, je ne sais pas où on peut la trouver qui serait efficace, mais l'idée globale, ce serait de l'acheminer en bateau dans l'autre sens. C'est pour ça que je voulais un bateau qui puisse prendre de tout. On n'a pas ça malheureusement. Mais voilà, il me faut que j'use de la pierre pour cette île-là. Alors de la pierre, où c'est que j'en fabrique? C'est une bonne question. On voit que je fabrique beaucoup de charbon. Là, j'ai du fer. Mais de la pierre, dans le secteur que j'ai fait, il n'y a pas tant que ça. Il y en a une là, mais elle est hyper loin par rapport à ce que j'ai fait. Il y en a une là, mais pareil, c'est loin. Là, mon réseau, il est vraiment encore très peu développé. Ah non, ça, c'est une usine de matériaux aussi. Voilà, j'en ai là de la pierre. Mais pareil, c'est pas très pratique. Et c'est tout. J'en ai là, mais j'y suis pas encore. Donc vous voyez là, il faut que j'étende mon réseau. L'idée, ce serait d'acheminer de la pierre en train, je pense. On la met en train jusque là. Et après, ça repart en bateau. Mais pour ça, il faut que je trouve un endroit parfait pour la pierre. Là, non, je n'avais pas. Et là, non plus. Ok, donc si je veux de la pierre, le plus simple, c'est ces deux qui sont là. Ok. On va peut-être me garder celle-là pour relier à la route directement à cette usine-là. Donc il me reste celle-là. Il me reste celle-là qui est un peu loin de tout. Donc là, dans la première étape du truc, ce serait de relier Parthenay. Même Parthenay, même là. Ouais, après, ça va faut sur mer cette ligne-là. Donc l'idée, ouais, c'est de faire la voie ferrée jusque-là. On va faire la voie ferrée jusque-là. Et là, du coup, bah, le train, il ira à la carrière par une autre petite voie, je suppose. Donc ouais, beaucoup de travaux à faire là. Alors donc on va commencer tout de suite. On va casser ça. Hein. On va casser ça puis on va mettre la gare là. La gare, j'ai pas besoin d'une grosse gare. Donc on va mettre une gare normale. Hop. Deux voies. 240 mètres. On va la mettre... Je sais pas où trop la mettre parce que là on voit qu'on est vraiment en extérieur de ville, c'est un peu pénible. Si je la mets là. Ah, il est sur le jeu qui me construit en même temps. On apprécie. Ou alors je supprime. Non mais ça fait beaucoup à supprimer ça, ouais. Bon bah c'est pas grave, on mettra des bus. Alors peut-être que l'astuce, on va éloigner un peu le bâtiment. On va le mettre là. Et là ce qu'on fera, c'est qu'on fera un escalier. C'est dans quoi? C'est là, divers, hop. Voilà, là on met un escalier qui reliera un peu mieux la ville peut-être. Hop. Bien sûr, c'est pas... Le terrain est pas aligné. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, on va juste verrouiller la route. Voilà, et là est-ce que c'est un peu mieux? Ouais, on dessert un peu mieux, mais c'est pas idéal encore. Alors peut-être que si... Et je sais pas si le jeu voudra, mais si le jeu me fait une route au milieu, là, comme ça. Peut-être 400 000 de tout démolir, mais bon. Ouais, c'est un peu mieux. Après, faut que le jeu fasse des routes. Hein. Faut que le jeu fasse des routes. Bon, on va laisser comme ça. On va remettre play. Non, on va pas mettre play tout de suite. On va d'abord faire la voie qui sera là. Ah, je prends un électricité par contre. Oui, j'ai électrifié ça. On électrifie maintenant. Hein. On électrifie. Du coup, faut que je passe par cette tuile là pour électrifier, ce sera mieux. Hop. Électrification. Ça a marché, oui, ça a marché, c'est bon. Hop, on va mettre une voie à 140. Même si la première courbe là, j'ai des doutes hein, sur le 140. Au moins le 90 peut-être. Enfin, faudrait supprimer ce petit bout de route là. Hop. Voilà, parfait. Là, comme ça. Ok. Là, on continue là, en ligne droite. Et du coup, ici, bah pareil, une grande courbe là, comme ça. À 90. Voilà. Et on va faire jusque là. Voilà, comme ça, maintenant, on peut remettre play. Et on peut du coup continuer de ferrer.
140 km/h. Je pense pas qu'il y aura trop de lignes à 160 sur la map en vrai. Les distances sont assez courtes en plus. Et là voilà, là faut peut-être attaquer maintenant. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle ligne j'emmène à Parthenay? Je pense que Parthenay ce serait la ligne qui viendrait de Menton. Donc Menton qui passera par le saut de mouton, qui arrive là à gauche. Là hop, qui te croise ici en TJD. Et qui arrive là, ok. Mais là faut faire les aiguilles là. Alors je supprime la route là pour l'instant. On la replacera. Donc on aura... Mettre des voies, ouais, 120 ça ira bien. Voilà, on aura un truc comme ça. Quel axe principal j'ai d'autre? Bah j'ai ça qui est un axe principal aussi. Voilà. J'ai ça. Et j'ai quoi d'autre? Ce qui va à Givors, ce sera... cet axe là. Ça, ça va à Givors. Et les deux voies du milieu, elles peuvent aller où? Bah Givors, Miribel, c'est à la suite. Donc les voies du milieu, après, elles s'arrêtent là. Ok. Ok, ok. Donc. Comment je fais l'aiguille là? Ça en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une courbe là comme ça. À cet endroit là. Voilà. Ça, on a dit que ça allait où? Ah bah non, en fait, on a que deux axes finalement. On a que deux axes. Ah, après, est-ce qu'on partirait pas en quatre voies? Jusqu'à Givors. En 4 voies, mais je sais pas comment dire, mais une voie dans un sens, une voie dans l'autre, une voie dans un sens, une voie dans l'autre. Donc en gros, ça ferait... Mais je pense qu'on va faire ça. En gros, ça ferait un truc comme ça. Alors je laisse à 120 pour l'instant. Vous voyez, une sorte de truc comme ça. Voilà. Un truc tout bête. Moi, je vois bien ça. Je vois bien ça et du coup là on terminerait. Comment je peux maîtriser cette aiguille qui sera là? Où ça me fait ressortir ça en ligne droite? C'est un peu serré, prendre moins serré. Ouais voilà là comme ça. Hop. J'aimerais bien aller jusqu'au bout par contre. Voilà. Voilà, faire ça comme ça. Hop. C'est pas grave si ça dessert pas toutes les voies vraiment. Là comme ça, ça ira déjà bien. Hop, et là mettre des aiguilles à 60. Voilà. Et d'ailleurs tout ça c'est à 60. Voilà, TJD ici. TJD ici. Ensuite, ici, bah, l'aiguille qui correspond. Ah, j'ai pas 60 km/h, on va mettre là. Voilà, parfait. Et ce qu'on peut faire, c'est un truc comme ça, peut-être. Je sais pas, ça passera. C'est un poil serré. C'est un poil serré. Alors je vais replacer un coup en l'éloignant un petit peu aussi. Ah, c'est automatique. Alors j'ai laissé, ça m'a sauvé l'épisode précédent. Maintenant rassurez-vous, je vais bien les laisser. C'est un peu chiant pour vous, je suis désolé, mais bon, c'est un luxe qui ne se refuse pas. Encore que ça va, la partie débute, donc ça pour l'instant elles sont rapides. Voilà, quelque chose comme ça. Là on est plutôt bien. Donc toi, on va te faire passer là comme ça. Sur les voies entre guillemets lentes. Hop, un truc comme ça. Alors je sais pas si ça va être beau, on va voir. Un truc comme ça. Et un truc comme ça. Ouais. Ouais, on va laisser. C'est particulier, mais bon. Ça ira bien. Donc on a ça, c'est bon. Bah maintenant, tout est bon, grosso modo. Après, cet axe-là, on verra plus tard.
On va terraformer un coup. Et après, on mettra le pont de la route. Voilà. Et le pont, du coup, on va le mettre par là. Je pense que c'est là où il gênera le moins. Hop, on va donc mettre la hauteur ici. Un peu plus de hauteur. Mais il est vachement haut là. Je vais essayer de réduire un petit peu. Non, là il veut pas. On va mettre au plus juste. Là il veut, c'est bon. Ok, on va prendre le pont. Du coup, on va prendre le pont de base hein, que j'aime bien. Il collera très bien pour cet usage là. Et il est ici. Voilà. Et il met pas de pile au milieu. Ok, bah pas de pile au milieu, c'est pas grave. On va essayer de le mettre un peu droit par rapport à... Ah non, à droite, droit par rapport à là. Ouais, c'est plus comme ça. Allez, comme ça. Ok. Donc là, hop. On va prendre cet outil-là. Est-ce que je mets un pont encore comme ça ou est-ce que je mets un talus? Oh, un talus, hein. Ouais, il est talus. Et là, hop, il va redescendre. Alors là, non, du coup... Ouais, si, c'est bon, ça passera. Voilà, comme ça. Et là, on met une route là. Et c'est la route qui correspond à ça. Voilà. Comme ça, si la ville veut se tendre ici, elle pourra. Ok, bien. On met play. Là, tout est ok. On a un beau pont. On va mettre un peu d'herbe sur le bord pour rendre ça plus joli. Et on peut relier, du coup, nos deux voies qui sont là. Donc là, on va faire un bout de ligne droite, là, comme ça. Et là, si je fais une courbe, est-ce que ça rend bien? Ouais, allez, on va laisser. Ah, par contre, la courbe est en pente. Du coup, là, c'est pas joli. Si, le PN rend bien. Étrangement, le PN rend bien. On va le laisser, du coup. Ouais, ça rend bien. Mais ils ont modifié ou pas? On dirait que le PN est en pente, mais les voies sont pas moches. J'arrive pas bien à voir. Attendez, je vais prendre une petite caméra pour zoomer. Ah ouais, si, ok, effectivement, le PN est moche. Le PN est moche, j'ai rien dit. On va recommencer la courbe. On va faire autrement. J'ai une petite idée. Ouh là, je peux parler. J'ai une idée, on va faire autrement. Alors, je sais plus où était la ligne droite, du coup. Bah, elle était là, je crois. Ok. On va faire. Hop, comme ça jusque là. Et là, la courbe, elle partira de là. Voilà, c'est plus joli comme ça. Bien. Ok, donc là, on est bon. Là, on est bon. Et donc, mon train de pierre, lui, il faut qu'il parte de là-bas. Donc, on va avoir une gare de marchandises. Les gares de marchandises qui sont ici. Non, pas du tout. Qui sont là, ce sera mieux. On va mettre un seul quai. Est-ce qu'on y électrifie ou pas? Non, le port n'est pas électrifié, donc pas besoin d'électrifier. On mettra des logs diesel pour le fret. De toute façon, sur l'île, ça ira très bien. Hop, on met ça ici. Voilà. On va faire un petit peu de déco. Voilà, une petite voie en impasse pour qui longera. Hop, nos caténaires, non. Voilà, un truc comme ça. Là, un truc comme ça. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Hop, la voie, on va la limiter à 60. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Hop, on va la faire passer là. Ensuite, elle va tourner vers la ville. Non, j'aime pas trop ce que j'ai fait. On va descendre, mais très légèrement. Il sort de coller un peu au sol. Ah bah vous voyez que là, je suis déjà trop haut. Voilà, comme ça. Là, comme ça. Et là, comme ça. Voilà, parfait. Hop, une TJD là. Et voilà, parfait. Donc là, on a notre petite ligne. Alors, on va mettre un signal à cet endroit-là. Qu'est-ce que je mets comme signal Pas du mécanique, non, on va mettre du lumineux. On va mettre un carré normal. Les carrés normaux qui sont au début, hein, si je dis pas de bêtises. Hop, on s'en fera déjà moins. Voilà, là, comme ça. Sens unique, non.
Hop, par contre là, sens unique, oui. Et là, pareil. Ok. On verra après pour la ligne voyageur. On va d'abord s'occuper de notre ligne marchandise. Au milieu, un petit sémaphore, ça peut être pas mal. Genre là, au PN, ouais. Avant les PN. Ok. Et ensuite, on arrive en gare. Donc là, hop, les signaux. J'avais mis quoi de ce côté-là? C2. Ils s'appellent tous C2. Ah, ça m'aide pas, ça. Ça m'aide pas pour savoir lequel c'était. Est-ce qu'il n'y a pas un train qui va rentrer par hasard, là? Non. Bon, on va mettre ceux-là, alors. C'est pas grave. On va dire c'est 60. Quoi que... Ouais, on va prendre avec l'avertissement, quand même. On rentre en gare. Il y a plus de chances de tomber sur un carré que juste sur un voie libre. Donc, un ici. Puis après, ce côté-là, on verra. Là, par contre, de ce côté-là, on peut mettre des carrettes partout. Sur les pots de panse. Les carrés. Je suis encore perdu dans le menu. Il y a trop de signaux. Mais tant mieux qu'il y ait trop de signaux. Ah, là, par contre, il passe pas. On va devoir revoir cette voie un peu plus courte. Voilà, comme ça. Ah non, j'ai raté. Voilà. Là, il passe. Ah non, tant mieux qu'il y ait tous ces signaux. C'est vraiment pratique. Ah, j'ai mis sens unique. Heureusement, je me rends compte dès le départ. Parce que sinon, c'est pas encore sorti de l'auberge. Hop, voilà, on met tous les carrés. Donc. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les potences, donc. Éléments. SNCF peut-être. Ouais, ici. Comment j'avais fait de l'autre côté? Oh, qu'est-ce qu'on débloque? Les 120 des wagons couverts. Ok, c'est tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'avais fait 2, 2 et 4, ok. On va voir comment je vais faire de ce côté là. La 6 voies c'est pour faire les 4, non. C'est la 5 voies pour faire les 4. Ah oui, parce qu'il y a un problème. Le problème est que si je mets un autre là, c'est pas très joli. Ouais, ça ira bien, pour changer un petit peu. Pour changer un petit peu, ça ira bien. Donc là, on arrive là, on repart là. Et là, du coup, faudrait revoir un peu le cantonnement parce qu'on a de la voie unique derrière. On peut déjà ajouter un canton ici. Je vois pas ce qui poserait de soucis. Au contraire, ça fluidifiera un petit peu. Mais ouais, niveau de la voie unique, faudra faire attention. Hein. Faudra faire attention. Donc, notre train, nouvelle ligne. Il part de là. Il va passer par cette voie qui est là, du coup, ouais. Il passe là. Là, il arrive là, il a pas le choix de passer là. Et là, hop, il arrive au port. Du port, il repart dans l'autre sens. Voilà. Il va passer par là. Voilà, il passe là. Il passe dans l'autre sens. Ici, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait qu'il est plus au bon. Là, il me fait un truc chelou. Oui, il faut qu'il passe par là. Voilà, c'est mieux. Il passe là. Et il arrive là. Ok, donc là, on est bon. J'ai pas renommé la ligne. Les trains, je différenciais les frettes ou pas? Je sais plus. C'est vrai que j'ai un autre fret. J'en ai un là. Ouais, c'est F. Ok, F. Et dans les F, j'en suis à combien? F01. Oh, j'ai qu'un seul train de fret. Ok, bah F02 du coup. F02. J'ai mis 23. Ouais. F02. Donc là, F02. Et ensuite, sur l'île, j'ai besoin de camions. Donc, nouvelle ligne. Pas nouvelle ligne. J'ai pas encore mis ça. Du coup, bâtiment routier. Hop. Pour les marchandises, on va mettre 2, 30 mètres. Hop, et on met ça devant. Donc, ajoute une station. Tu partiras d'ici, tu t'arrêtes là, et sur le chemin du retour, tu t'arrêteras ici. Pareil, il faut que je mette les arrêts, ça sera pratique. Là-dedans, hop. On sait que ça a besoin de briques ici.
bah tu t'arrêteras. Tu t'arrêteras là. Et de ce côté-là, où c'est que ça a besoin de briques? Ici, ok. Donc, au retour, tu t'arrêtes ici. Voilà, comme ça, il fait une petite boucle. C'est pas plus mal. Et donc, ce sera pour le routier, c'est les K, la K10. Et oui, c'est pour ça. Ouais, donc, ça prend 10, c'est bon. Ok. Ça peut mettre 2-0, du coup. Ouais, faudrait que je renomme un peu toute ligne. En fait, je trouve c'est pas pertinent de mettre des lettres comme ça. Faut voir à l'usage, mais quand il y a, on commence à avoir beaucoup de lignes là et je me perds un peu dedans, mais bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Et une nouvelle ligne qui part de là et qui va jusqu'ici. Ce sera la K11. Voilà. Donc là, ça repart vendu. Acheter des camions du coup, acheter des véhicules routiers qui peuvent transporter de tout. Donc ceux-là, on va en prendre 3 pour la K11. Hop, K11. Acheter des véhicules routiers. 6 pour la K10. Voilà. Les bateaux, ils sont là. Du coup, on récupère la même ligne de bateau. On va prendre un bateau comme ça. Hop, ce sera la M3. Et on va maintenant acheter un train. Ah, juste sauvegarder. Dans le doute, je sauvegarde un petit peu. Excusez-moi, ça prend du temps, mais j'ai pas envie de... que ça... comment dire? Que l'achat d'un train fasse cracher le jeu. Je sais que des fois, j'ai des petits soucis en plus. Donc, je sauvegarde. Ça prend 2 secondes. Et on va aller à un dépôt ferroviaire. Je n'ai pas dans le secteur en plus. Est-ce que j'en ai mis près du port? Je n'ai pas près du port. Ah, j'aurais dû en mettre un. Bah, j'ai là. J'ai là, on peut mettre un petit dépôt ferroviaire. Hop. Non, dépôt ferroviaire, c'est cela. Alors, caténaire, non. Voilà. Et donc, acheter un véhicule. Et là, voilà. Qu'est-ce qu'on a en log diesel qui peut être intéressante? Diesel ici. Ah non. Pardon, ce diesel-là, c'est mieux. On a les 68 000, hein, qu'on pourrait mettre. En vrai, 68 000, ça correspondrait bien au trafic qu'on veut. Donc, on va mettre ça. Et en wagon de marchandises, on va prendre des wagons pour la pierre. Qu'est-ce qu'on a pour la pierre? Bah, des tombereaux, du coup. Ouais, je vois que ça, les tombereaux. On va mettre ceux-là. Bon, on a que ceux-là, même, d'ailleurs, de bien. Ouais, on va prendre ceux-là. On a le droit à 240 mètres. Je pense que je vais chercher le train à 240 mètres, en vrai. Ouais, 240 mètres, c'est comme ça. Hop, et ça part sur la F02. Ah non, il veut pas. Effectivement, il manque un signal, enfin une aiguille. Effectivement. Hop, on va faire ça comme ça. Et il sera content. Voilà. Allez, petit tour en cabine. Avec cette ligne de fret 02. Et du coup, l'île de Commercy-Rumilly, je crois que c'est la deuxième ville, va pouvoir bien grandir avec cet apport de matériaux de construction. Faudra qu'on regarde aussi le problème des avions qui sont un peu chargés. Voir ce qu'on peut en faire. On peut agrandir l'aéroport, c'est pas une solution qui est négligeable. Mais le problème est que les plus gros avions prennent pas encore assez de monde. On gagnerait 5 passagers par vol. C'est déjà ça, mais c'est pas non plus... ça suffira largement pas, en fait. Il faut beaucoup plus. Donc, ce train de fret. Cette partie-là sera la partie critique de la ligne. La voie unique, là. On la changera. Bah, sauvegarde automatique. On la changera. On mettra une double voie, je pense, prochainement. Parce qu'en plus, on sera l'axe principal du réseau ferré. Donc, il faudra... c'est là qu'on regarde cette petite partie-là qui... qui commence à être un peu saturé. Alors, provisoirement, on peut ajouter des voies de croisement. C'est pas. Bah, voilà, on peut faire ça. On peut faire ça. Et là, après, on récupère de la double voie. Ce sera plus confortable.
Hop, voie libre. On croise le voyageur. Là, on a une petite montée. Du coup, on a encore des lignes assez plates. Hein. On a quelques montagnes, mais pas de truc insurmontable pour l'instant. Et voilà, on arrive en gare. Là, on prend l'aiguille. Bon, on est limité à 50, hein, c'est déjà pas mal. On passe sous le pont qu'on a fait. Il y a beaucoup de trafic routier. Hein. Là, quand on va mettre le train ici, ça va être pas mal, logiquement. Et voilà, on continue. Et là, on va arriver vers notre bifurcation vers la gauche. Donc là, ligne limitée à 60, pardon. Voilà, c'est une petite voie ferrée pour le fret. Ah, un ours qui traverse la voie. Tout va bien. Et voilà, là, on arrive à la carrière. Et on a déjà de la marchandise qui attend. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Voilà. Ouais, 94, c'est bien pour un premier voyage. Je sais plus quel ratio c'est par contre l'usine. Ah, c'est du 1 pour 1, ok, c'est déjà ça. Bon bah écoutez, on va attendre que le train arrive. Le bateau du coup lui fait un voyage à vide pour l'instant. Ah bah ça c'est l'autre, ok. Mais pourquoi on livre? Pourquoi on livre de l'essence là-bas? Je veux pas livrer de l'essence. Pétrole brut. On exporte du pétrole brut? Ah non, mais je veux pas ça, moi. Oh là, faut que je règle les ordres ici. Je veux pas ça. Tout va jouer sur ce bateau-là, je pense. Donc on va regarder ses ordres à lui. Hop, le... Ah, mais oui, mais du coup, on a mis deux bateaux différents. Bah, c'est pas grave. C'est quoi, ça? Commerciport. À Commerciport, je ne veux pas que tu charges... de pétrole brut. Et je ne veux pas que tu décharges... de pétrole brut, finalement. Voilà. Tu te débrouilles autrement, mais le pétrole brut, il passe pas par ici. Parce que le pétrole brut, il va en camion par là-bas. Ok, il y en a beaucoup. Oh, ouais. Il y en a déjà plus de 1000 en attente, mais au secours. On peut mettre plus de camions, du coup, ou pas? Je sais pas si le bateau, là, du coup... Il dit quoi, ce camion-là? Ah, oh, c'est la Cadiz. Je sais pas si c'est pertinent d'être plus de camions. 5 sur 17, ouais. Ouais, mais oui, mais du coup, là, c'est normal, c'est 5 sur 17. Peut-être que faut que je sépare la ligne en deux, je sais pas. Ah, c'est la K10 encore. K10. Où c'est que j'ai des camions de pétrole, là? 5 sur 17 encore. Ouais, je sais pas. Peut-être que pour que ce soit plus efficace, faut que je sépare la ligne en deux, parce qu'il y en a beaucoup de pétrole qui attendent, et il y en a peu qui repart. On peut déjà ajouter des camions. On va déjà ajouter des camions. Ça, c'est pas perdu. Au pire, on les changera après. Hop. Prends 21. Ouais, je sais pas s'ils mettraient pas des citernes à la place. Ouais, pas mettre des citernes, effectivement, sur la K8. On serait plus efficace. On va déjà mettre des citernes et on va en ajouter des nouvelles. On va en ajouter 6. Allez, ça peut paraître énorme, mais finalement, pas tant que ça, hein, vu tout ce qu'il y a en attente. Voilà. Bon, écoutez, nous, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé. À très vite pour la suite. Salut tout le monde !